Hey, salut tout le monde, c'est SD, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui, un petit peu spéciale, parce que c'est pas du tout du gameplay, c'est pas du FIFA, c'est pas du FM, mais c'est une vidéo très importante pour vous, car vous avez aujourd'hui la possibilité de décider l'avenir de la chaîne avec plusieurs sondages. On y va de suite pour cette vidéo un petit peu spéciale. Hey, c'est parti, on se retrouve du coup directement sur un site qui s'appelle Stropol, hein, voilà, vous pouvez faire des Stropol dessus, et sachez qu'aujourd'hui, je vais vous donner la possibilité simplement de décider l'avenir de la chaîne avec plusieurs questions, avec des réponses que vous allez pouvoir mettre pour tout simplement me dire qu'est-ce que vous voulez pour la suite. Il y a en tout, alors je sais pas, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 questions. J'espère que vous répondrez à toutes ces questions. Pour répondre à ces questions, faut voir les questions, ils seront dans la description. J'espère vraiment que vous allez répondre à toutes les questions. Ça prend pas beaucoup de temps, les potes, vous faites un clic sur le lien. Voilà, vous cliquez, vous mettez votre réponse et c'est terminé. J'espère vraiment que vous allez jouer le jeu et tous réellement répondre déjà avec votre vraie réponse, pas mettre n'importe quoi. Si même vous hésitez entre les deux, réfléchissez puis répondez. Si vous êtes sur téléphone, vous pouvez cliquer, ça va vous envoyer sur une nouvelle page et ensuite revenir sur la vidéo. D'accord? Vous pouvez le faire, c'est aucun problème. Sur ordinateur, bon, vous l'ouvrez sur un nouvel onglet. Avec un clic molette, voilà, donc n'hésitez pas. Je vais vous présenter en tout cas les questions que je pose, les questions qu'il va y avoir, les réponses à ces questions pour cette vidéo. Voilà, donc en commentaire, très certainement, je mettrai les liens des Stropol. Et de toute façon, c'est en description de la vidéo, donc regardez bien pour y répondre. J'aimerais vraiment avoir le plus de retours possible, le plus de votes possible pour tout simplement, pour savoir ce que vous voulez vraiment. Voilà. Donc plus vous serez nombreux, à répondre à ce sondage, plus j'aurai une information qui sera pertinente et qui sera au goût de tous. Voilà. Première question, la nouvelle carrière que je vais lancer très bientôt, ce sera donc soit avec l'Ajax ou avec le PSV. Voilà, beaucoup m'ont demandé soit l'Ajax, soit le PSV. Du coup, je vous donne la possibilité aujourd'hui de décider enfin quel club je prendrai en Eredivisie. Donc, soit l'Ajax, soit le PSV. Je vous laisse donc cette possibilité-là. N'hésitez pas aussi à commenter en commentaire des choses. Vous pouvez me dire, ah putain, ce serait vraiment bien que ce soit l'Ajax. Vraiment, dites-moi en commentaire les retours par rapport à cette vidéo. Je vais faire en sorte qu'elle ne dure pas plus de 5 minutes. Deuxième question. Maintenant, vous voulez que je fasse des carrières complètement simulées? Ou vous voulez que je fasse des carrières qui sont simulées en partie avec des matchs joués. Donc, soit je simule tous les matchs, soit carrière simulée en partie et je joue les gros matchs. Donc voilà, ça c'est pour la carrière avec l'Ajax notamment, ce sera pris en compte pour la carrière avec l'Ajax. Pour la carrière avec Séoul, ce vote-là sera aussi pris en compte, c'est-à-dire que la carrière déjà est bientôt finie, elle va se terminer la semaine prochaine. Donc c'est-à-dire que le dernier match très certainement de Séoul, je le jouerai, voilà, comme ça, ça mettra fin à la carrière comme ça. Mais pour les nouvelles carrières qui vont avoir lieu, il y en aura deux nouvelles. Voilà, c'est une petite info, il y en aura deux nouvelles. Vous voulez carrière complètement simulée ou carrière simulée et jouer pour les gros matchs. Voilà, répondez à ce sondage. Et bien sûr que selon le vote qui aura le plus de réponses, sera le vote choisi, bien entendu. Alors, êtes-vous pour ou contre deux carrières simulées en même temps? Donc là, ce vote-là, ce sondage-là fait référence au prochain. Donc si vous décidez que les carrières sont des carrières simulées et jouées, bien entendu que les deux carrières dont je parle sont des carrières simulées et jouées. Donc si vous êtes pour, si vous êtes contre, mettez contre. Expliquez-moi aussi en commentaire vos choix. Ça pourrait éventuellement m'intéresser. Si vous avez des informations complémentaires à me dire, n'hésitez pas. Ensuite, souhaitez-vous des vidéos hors série sur la chaîne? Soit oui, soit non. Quelles seraient ces vidéos hors série? Ces vidéos hors série pourraient être des séries fut, pourraient être des séries en ligne, ça pourrait être des montages de 5 à 10 minutes sur d'autres jeux, donc sur du League of Legends. Ce serait absolument une fois par semaine maximum. Vraiment, ce serait très très ponctuel, on va dire, ces vidéos-là. Donc ça, ce serait vraiment temps en temps, une fois par, ce serait une fois dans la semaine. Donc voilà, si vous voulez des séries fut, n'hésitez pas à mettre oui à ce sondage-là. Ou si vous voulez voir d'autres jeux, il faut mettre oui à ce sondage là, pardon. Voilà, donc je pense que vous avez bien compris. Si vous avez des questions avant de répondre à l'un des sondages, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Je vous expliquerai en commentaire un peu plus précisément ce que je voulais dire par là, si j'ai pas été assez clair. Ensuite, pour la prochaine carrière, vous êtes plus. Alors ça c'est une carrière en plus de celle que je vais faire avec, soit avec le PSG, soit avec l'Ajax. Donc ça c'est une carrière en plus, c'est la deuxième carrière que je vous ai parlé juste avant. Vous êtes plus pour un club de Ligue 2 française ou un club de D4 anglaise. Et donc ce sera une carrière simulée. Simulée slash simulée et jouée.
toujours la référence au sondage d'avant, bien entendu. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous voulez un club de Ligue 2 française ou un club de D4 anglaise que j'irai mener jusqu'en Ligue des Champions. Voilà, le projet c'est ça. Le club de Ligue 2 française, ce serait peut-être 3 saisons, essayer de le mettre un peu le plus haut possible. Pas trop non plus, je veux pas que ce soit non plus trop long. Ce serait une carrière de durée moyenne, celle en Ligue 2 française. Alors que celle en D4 anglaise, ce serait la carrière la plus longue, je pense, de ma chaîne en termes de saison. Étant donné que le but c'est de rejouer la Ligue des Champions, ou jouer la Ligue des Champions avec cette équipe là. Donc je prendrais un club vraiment de D4 et le but c'est de jouer la Ligue des Champions, pas la gagner. La jouer seulement serait déjà très 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 bien, mais ça prendrait énormément de temps. Donc voilà, c'est deux projets différents, une carrière moyenne terme et l'autre une carrière long terme. Donc n'hésitez pas à répondre à ce sondage également. Ensuite, pour la carrière sur Football Manager 2017, donc là je m'adresse à la partie des abonnés qui regardent Football Manager 2017. Souhaitez-vous que je masque les résultats de match pour avoir plus de suspense? Donc vous savez, à l'époque, je mettais un petit carré noir pour pas vous spoiler les résultats. Et depuis, je l'ai enlevé parce que moi, ça me prenait un peu trop de temps. Je veux bien éventuellement faire en sorte que vous n'ayez plus le spoil. Mais ça, c'est toujours pareil. Si vous êtes pour, mettez-moi oui. Si vous êtes pas force, si ça vous dérange pas plus que ça, mettez non. Voilà, je compte sur vous. Et la dernière question que j'ai à vous poser... Pour la carrière avec l'Olympique Lyonnais sur FIFA 17, donc ma carrière principale sur FIFA 17, qui durera jusqu'à la fin du jeu, vous souhaitez, soit, vous avez 4 possibilités, soit vous voyez tous les matchs en résumé, donc comme j'ai fait récemment, c'est-à-dire les matchs du mois résumés avec les meilleures actions, soit les matchs en entier, les meilleurs matchs en entier, donc c'est-à-dire que là je vous montrerai pas tous les matchs, je vous montrerai seulement les gros matchs genre en Ligue des Champions, contre le Paris Saint-Germain, contre Monaco. Donc je vous montrerai ces gros matchs et je vous les montrerai en entier. Donc là vous me verrez jouer du début jusqu'à la fin, voilà. Soit vous pouvez voir tous les matchs en entier. Alors par contre, si vous voyez tous les matchs en entier, il faut bien savoir que je vais pas vous faire 4 matchs dans un épisode. Ce sera maximum 2 matchs dans un épisode. Faut bien prendre ça en compte. Donc c'est-à-dire que la carrière va beaucoup, 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 beaucoup rallonger. Et ça, moi je suis pas trop pour, voilà. Moi je suis pas trop pour faire tous les matchs. Ça me prendrait beaucoup trop de temps, la carrière va pas du tout avancer, on va faire 3 saisons. Moi je pense que le plus pertinent c'est soit les meilleurs matchs en entier, soit tous les matchs mais en résumé. Voilà. Ou alors, voilà. Ou alors l'autre option, si vous choisissez autre, mettez-moi en commentaire ce que vous voulez pour cette carrière-là. Voilà. Je pense que cette vidéo touche à sa fin. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à me dire en commentaire vos impressions par rapport à ces sondages. On se retrouve de toute façon demain. Pour du Football Manager 2017, sinon dimanche pour du FIFA 17. Et puis la semaine prochaine, vous avez très certainement la nouvelle carrière, soit avec l'Ajax, soit avec le PSV. Et ensuite, par la suite, du coup, vous verrez la carrière soit en Ligue 2 française, soit en D4 anglaise. Voilà, je vous fais des gros bisous. Passez un bon week-end. Tchuss les potes!